c'est jamais trop tard, on peut toujours faire marche arrière et encore s'orienter vers autre chose. Il n'y a rien de plus beau que de se dire qu'on réalise ses rêves et si je peux faire ça tous les jours de l'année jusqu'à la reste de ma vie, il n'y a aucun souci. Bonjour, vous écoutez Les Autres, le podcast qui parle des gens qui se sont trouvés pour les gens qui se cherchent. Si on parle maintenant de ce que tu fais maintenant. Ouais. Je vais te sortir un peu plus. Ok, alors là je suis en quatrième année de chirurgie dentaire. Sur 5, c'est ça? Sur 6. Sur 6. J'ai mal révisé. On peut dire que c'est 5 si c'est en dehors de la première année de médecine. Donc ça marche. Ça marche. Donc en quatrième année là, de dentaire, donc qui se traduit par une année où on débute la clinique. Mm-hmm. Donc à partir de septembre, on a deux journées à l'hôpital où on travaille en binôme avec donc nos premiers patients, nos premiers actes, nos premiers gestes, et on applique la théorie à la vraie pratique. On n'est plus en salle de TP, on est à l'hôpital avec les vrais patients. C'est forcément dans un hôpital ou ça peut être dans des structures privées aussi? Enfin, dans un hôpital public? C'est à l'hôpital, oui. C'est dans les CHU. Après, c'est vrai qu'au cours de ma première année de médecine, j'étais allée voir un chirurgien maxillofacial qui m'avait clairement dit « Non mais mademoiselle, alors déjà, vous n'y arriverez jamais. » Et parce qu'il n'y a que des hommes sur ces postes et que vous serez beaucoup mieux dentiste au bord de la plage à travailler 3 jours par semaine et à vous occuper de vos enfants. Ce qui m'a... Bon... qui, je pense, quand on a 17-18 ans, met un bon coup et donne un petit peu des, des motivations à refuser ce type de discours. Mais plus je réfléchissais et plus finalement j'étais... dès que j'ai commencé à travailler, j'ai pu prendre la mesure, finalement, même si la forme n'était pas du tout là, mais du fond qu'il pouvait y avoir, même si je n'ai pas du tout toléré ce qu'il m'avait dit. Je me suis aussi rendu compte que quand je faisais 70 heures par semaine... avec des ambitions de poste de management assez élevées, etc., ben que je savais qu'il allait falloir que je renonce à ma vie perso, et ce qui, pour moi, n'était pas considérable et ne l'est pas aujourd'hui non plus. D'accord. Donc je m'étais dit, finalement, concentre-toi un peu plus sur le métier de dentaire, va voir des dentistes hommes, des dentistes femmes, regarde comment est-ce qu'ils travaillent, les différentes spécialités. Et vois si finalement ce serait un compromis bon pour toi et qui te convient pour allier comme t'en as envie ta vie perso avec ta vie pro. Et ben ça a pas manqué, hein. Ça m'a clairement confortée dans l'idée et tout en respectant ma vocation qui était de redonner du sourire, rétablir des fonctions et soulager des douleurs. Donc tout y était et tout y est dans le métier de chirurgien dentiste. D'accord. Alors, le contexte, c'est on est au lycée, t'as à peu près 15 ans, on est en seconde. Ok. Comment ça se passe à ce moment-là pour toi? Alors, la seconde, à ce moment-là, ça se passe très bien. Je suis à Montpellier. Ouais. J'ai la chance d'avoir les mêmes amis, puisque globalement, on est tous issus du même collège. Ok. Et en seconde, je commence déjà un petit peu à avoir des orientations sur mes futurs... mes envies de métier, pour l'avenir, etc. Ça se dessine tout doucement. Donc en seconde, tu sais déjà ce que tu veux faire? Ouais, ça commence à se dessiner. C'est okay. Sûr déjà que c'est vers la santé que j'ai envie de me diriger. Et ça vient d'où cette envie? T'avais fait des salons, t'as des parents qui sont dans la santé? Ouais, j'ai des parents qui sont dans la santé. Donc c'est vrai qu'avec un peu un background assez médical dans la famille. Et je pense que ce qui a un petit peu dessiné... mon envie de travailler dans la santé, c'était plutôt les émissions devant lesquelles ma mère pouvait me mettre en fin de journée. Ok. Et, c'était quoi comme émission? Bah, une des émissions que j'ai vues et qui m'a beaucoup marquée, c'était sur les fentes vélopalatines, les fentes labiales. Donc, c'est ce qu'on appelle plus communément les becs de lièvre. Et c'est vrai que ça m'avait énormément marquée et que je m'étais dit, c'est ça que tu veux faire, tu veux redonner le sourire à ses enfants. Et donc, c'est de façon assez cohérente que l'idée de faire une première année de médecine s'était dessinée assez rapidement sur mon lycée. Ok.
Et donc, du coup, en seconde, tu sais déjà ce que tu veux faire. Du coup, première scientifique. Voilà, exactement. Donc, la première scientifique... Qui te conforte... Oui, tout à fait. Et puis, j'étais plus confortable dans les matières scientifiques, en maths, en physique, et beaucoup moins en histoire géo, en français et en langue. Et en langue. Donc oui, c'était assez naturel que je continue en scientifique. Ok. Et du coup, l'année terminale, tu postules, tu fais tes choix. Alors à ce moment-là, c'était pas du tout dans une dynamique Parcoursup d'aujourd'hui. Ouais. C'est pas du tout des questions qui se posaient. En fait, c'était plus qu'est-ce que tu veux faire, Kelly? Bah, je m'insère à la fac de médecine pour faire... À l'époque, ce qu'on appelait une P1. Mmh. Et voilà. Et j'ai fini, à la bibliothèque ou à la faculté pour m'inscrire à l'issue des résultats du bac. Et voilà, de façon très simple. OK. Pendant ma licence de biologie, je me suis engagée du côté de l'associatif. OK. Et je m'y plaisais énormément. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ça m'occupait tellement de temps aussi bien... dans ma tête qu'en déplacement, etc., que le temps est passé très très vite. Okay. C'était un peu un exutoire en fait, l'asso. Ça t'a permis d'être occupé, de découvrir d'autres choses. C'est possible, ouais. Ouais. C'est possible. Après, je m'ennuyais un petit peu en biologie, parce que j'avais quand même bien bossé ma première année. Ouais. En tout cas, bien le premier semestre. Donc c'est vrai qu'en première année de biologie, il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà en tête, donc oui, j'ai pu un petit peu me focusser sur l'associatif tranquillement. Ok, et du coup, tu finis ta licence de bio et tu vas faire un Master 1 à Nantes. À Nantes, exactement. Ça. Ouais. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de ma troisième année de bio, donc je valide et là, je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais, Kelly? Est-ce que tu retournes en première année de médecine? Mm-hmm. Ou est-ce que tu continues et puis finalement, tu renonces peut-être un petit peu à ton envie d'être médecin? Et puis, l'associatif t'a tellement apporté, tu te sens tellement bien dans cette idée d'interaction avec les gens, de communication, même aussi la notion un peu de pédagogie, de transmettre des connaissances. Est-ce que tu peux pas trouver un métier qui compile à la fois la biologie, le médical, à tout ce que tu as apporté à l'associatif? Et donc là, je me dis, bah, go, tente ça. Fais un Master 1 en management, j'oublie mon Master 1. Et ensuite, Master 2 à Paris. Voilà, Master 2 à Paris, après avoir fait mon stage de M1 chez Pierre Fabre à Castres, mm-hmm. en marketing, sur la santé féminine. Ce stage-là, il m'a beaucoup marqué et il m'a fait un petit peu me conforter avec mon idée que je ne serais pas médecin, parce que je me sentais très très bien chez Pierre Fabre sur le métier que j'avais de chef de produit. Okay. Donc je m'étais dit, ben, essaye de trouver un Master 2 en alternance, complètement, toujours dans les IAE, mais qui te permette de garder ce pied dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'IAE Gustave Eiffel, à Paris. Et en alternance chez Janssen, qui est la branche pharmaceutique de Johnson & Johnson. D'accord. Voilà, en hématologie. Finalement, il y a l'associatif qui a beaucoup pesé dans tes choix de carrière. Ouais, complètement. Oui, tout à fait. Ce que ça m'a apporté m'a permis de me guider sur les masters que j'ai fait derrière. Mm-hmm. Quand j'ai postulé pour l'alternance, j'avais plutôt ciblé des gros laboratoires. D'accord. Parce que j'ai un besoin permanent de mobilité, j'ai beaucoup besoin de bouger. Donc ça, c'est quelque chose que m'a apporté l'associatif et que j'avais envie de retrouver dans mon métier. Mm-hmm. Donc en tant que chef de produit, je savais que c'était en allant... Enfin, je me disais, hein, je n'en avais aucune certitude, mais qu'en allant sur les gros laboratoires, j'allais pouvoir certainement être beaucoup plus mobile. Et ça n'a pas manqué parce que chez Janssen, j'ai pu faire des congrès internationaux, des congrès mondiaux, européens. Et tu étais dans quel état d'esprit quand tu te levais le matin? Tu étais contente de tes choix de carrière, de ce que tu faisais? Au quotidien, en fait, côté travail, comme ça me demandait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, j'avais pas forcément d'opinion particulière, j'étais un petit peu tête baissée dans le travail. Comme quand tu faisais de l'asso, finalement. Un peu comme quand je faisais de l'asso, c'était un bon point. En revanche, quand je retrouvais mes amis, c'est vrai qu'il y avait une certaine fierté, parce que c'est vrai qu'à 23 ans, je me suis retrouvée avec un très bon poste. Qui n'est pas forcément facile d'accès. Mmh. Donc, j'avais un très bon retour de mes proches et de mes amis sur ma réussite et mon insertion professionnelle
et tout ce que je pouvais leur dire sur mon quotidien au travail, il y avait un effet waouh qui était clairement là et qui me faisait du bien. Ok. Donc finalement, c'était le regard des autres sur ta situation qui faisait du bien ? Oui, peut-être plus que le quotidien qui était assez difficile, ouais. Ouais. Sur okay. le poste que j'avais à ce moment-là. C'était difficile à cause des déplacements, à cause de la pression ? Oui, il y a un certain enjeu quand on est chef de produit à travailler sur des médicaments qui ont des impacts très forts, aussi bien pour les patients, les médecins, que d'un point de vue purement business. C'est vrai que assurer un lancement d'un gros médicament, c'est beaucoup de pression. Les yeux sont sur nous quand même au sein de l'entreprise. Donc, il faut arriver à porter ça sur ses épaules quand on a 25-26 ans. Et quand tu t'es lancé, est-ce que t'as pas eu peur de te dire finalement c'est moins bien que ce que j'imaginais ou c'est complètement différent et en fait ça me plaît pas tant que ça? Non, je l'ai pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que tu t'étais bien renseigné avant et tu faisais pas d'illusions? C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup réfléchi. En 2010, si je dis pas de bêtises, la possibilité de faire une passerelle a été mise en place. Et donc 2010, c'était à la fin de ma licence 3. D'accord. Donc ma licence. Et je m'étais dit, bon, aussi, tout en faisant quand même mon master 1 et 2 en management, dans l'idée de devenir chef de produit en marketing, je m'étais dit, il y a toujours la passerelle. Et fais ton bac plus 5. Et avec mon bac plus 5, si un jour tu as besoin de le faire pour le faire et tenter ta deuxième chance, tu pourras. Ben, ça n'a pas manqué. D'accord. Et du coup, maintenant, je te pose la même question, mais tu es dans quel état d'esprit quand tu te lèves le matin? Dans un très bon état d'esprit, surtout les jeudis matin et les vendredis matin, bon, le samedi, dimanche aussi. Mais c'est vrai que je suis dans un très bon état d'esprit. Le plus sympa le jeudi, vendredi, parce que c'est les jours où nous sommes à l'hôpital. Mm-hmm. Les lundis, mardis, mercredis commencent à être un petit peu long, parce que c'est la troisième année d'études en plus des cinq premières. Donc forcément, là, ça commence un petit peu à se ressentir. Mm-hmm. Certains matins, mais ça va, hein, c'est pas... Je pense que c'est surtout c'est normal. Je pense aussi, ouais. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Par rapport à ton ancien métier Par rapport à mon ancien métier, ce qui a changé dans ma vie. Alors spontanément, j'aurais tendance à dire que je suis moins fatiguée. D'accord. J'ai un petit peu l'impression d'avoir régressé en âge, globalement. Ok. Parce que le poste que j'avais m'imposait d'assurer une certaine légitimité dans mon poste, dans mes prises de parole. Voilà, c'est un poste avec beaucoup de responsabilité, avec un très gros budget, avec des gros enjeux. Et là, aujourd'hui, je suis une étudiante. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de régression. Du coup, ça me permet aussi, moi, de progresser sur le fait de me prendre un peu moins au sérieux. Donc, c'est très bien. Oui, parce qu'il fallait progresser... Progresser, je sais pas, mais... je sais pas. Mais c'est bien. D'accord. Je pense que c'est positif. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait d'être mieux, d'être plus à l'aise dans ta vie professionnelle, ça a des impacts sur ta vie perso? Oui, complètement. Ça, quand on est enfin dans la vie professionnelle, ce qu'il y a eu, c'est que sur mes deux dernières années de travail en tant que chef de produit, donc sur quatre, on était dans un contexte très difficile de lancement, où je me suis retrouvée sans supérieur hiérarchique, N+1 et N+2. D'accord. Donc c'était une situation assez difficile, je travaillais vraiment beaucoup pour assurer le lancement du produit. En termes de livrables, il y avait beaucoup de choses à délivrer. Et donc, c'est vrai que dans la machine un peu infernale du travail, on prend pas le recul. À ce moment-là, mon conjoint est monté sur Paris, m'a rejoint et on s'est installé. Et c'est un peu lui qui a lancé la sonnette d'alarme et qui m'a dit, en fait, je me rendais pas compte, mais c'est pas possible le rythme que tu as. Et c'est vrai, quand on en reparle aujourd'hui et qu'il me dit, tu vois, c'est le rythme que t'as aujourd'hui, c'est ce rythme-là qui est sain. Et regarde, ça matche très bien avec la vie perso. Ouais. Et c'est vrai. Ah, d'accord. Et si on parle maintenant de la transition, comment est-ce que ça s'est passé? C'est que tu t'es levé un matin, puis tu t'es dit, c'est bon, c'est maintenant? Ouais, complètement. En fait, le fait d'avoir été confrontée à cette situation difficile, j'étais un peu à la mauvais endroit au mauvais moment. Mm-hmm. Clairement, je pense que c'était très ambitieux de mettre une si jeune personne
sur le poste que j'avais avec une absence de supérieur hiérarchique, c'était pas m'aider. Pour autant, ça m'a permis un peu de faire un bilan. D'accord. Et de me faire dire que au long terme, me dédier 100% enfin m'investir autant, c'était pas possible. Donc à ce moment-là, de toute façon, assez naturel, je pense que on a tendance à chercher un peu l'issue. Donc la passerelle s'est reposée à ce moment-là. OK. Et je l'ai tenté. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur la rédaction de ma lettre. Ce qui m'a permis complètement de faire le point sur ce que j'avais vécu sur ces 4 premières années de travail. C'était ta lettre de motivation. La lettre de motivation pour la passion. C'est ça. Ouais. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait aussi beaucoup de bien et qui m'a préparé à cette transition parce que j'ai vraiment pu poser sur le papier d'où je venais et où je voulais aller et pourquoi. Donc c'était me préparer aussi moi finalement et pas que candidater et convaincre un jury de me retenir. Donc elle s'est préparée grâce à ça, je pense. Ensuite, il y a eu un bon été de repos, puisque j'ai quitté l'entreprise en juillet pour réattaquer ma vie étudiante en septembre. Donc ça a été 2 mois qui m'ont vraiment permis de me poser et de me dire, allez, c'est bon, tu mets entre parenthèses la dimension professionnelle, tu repars sur 3 ans très très studieuses. Mm-hmm. Et puis tout en me disant qu'à l'issue de ces 2 années studieuses, il allait y avoir de la clinique qui allait arriver assez vite. Et je pense que ce qui est important de noter, c'est que le métier et les études de dentaire sont des études qui sont très très professionnalisantes dès le début. C'est-à-dire qu'on rentre dans ces études dès la 2e année en sachant qu'à la fin, on va être chirurgien dentiste et pas autre chose. Donc c'est très structurant, je pense, pour une reprise d'études, de se dire je ne repars pas dans quelque chose de très flou, de très abstrait. Très abstrait, un domaine qui me fera déboucher sur XY métier. Là, c'était direct. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette phase? Est-ce que ça a été le côté je vais retourner faire des études? Est-ce que ça a été le côté j'ai une sorte de perte d'indépendance parce qu'avant je travaillais donc je fais subvenir à tous mes besoins et d'un coup je redeviens indépendante. Alors au tout début, je dirais les 3 premiers mois d'études, ce qui a été difficile, ça a été plus après les journées de cours, de devoir arriver à la maison et de devoir dire bon ben ce soir j'ai des cours à apprendre, ce week-end samedi je vais aller à la bibliothèque. Donc ça c'était pas simple. Après d'un point de vue financier, ça a pas posé de soucis parce que le premier métier que j'ai eu m'a donné la chance de pouvoir constituer une épargne. Ok. Donc qui me permet de d'assurer tranquillement cette reprise d'études. Et c'est quelque chose à considérer, c'est important. C'est d'ailleurs quelque chose que le jury de passerelle ont tendance à demander assez fréquemment. Ok, c'est comment est-ce que l'étudiante compte financer sa opération. Je pense que c'est ce qui s'entend très bien. Ouais, tout à fait. Et comment est-ce que tes proches l'ont pris? Alors, ils n'ont pas du tout été surpris. Ouais. Pas du tout, du tout, du tout. Ils voyaient très bien que je me plaisais bien en tant que chef de produit et que j'étais à ma place et que c'était un métier qui me plaisait, etc. Mais quand j'ai commencé à leur parler de l'idée de tenter la passerelle, ils m'ont tous dit « Ah, enfin !» Donc, ça faisait des années qu'ils attendaient ça aussi. Oui, oui, j'ai eu plein de petits courriers, de petits messages parce que le mot est passé quand même pas mal auprès de beaucoup de monde et assez vite. Et j'ai même eu des retours d'amis du lycée qui m'ont écrit en me disant « J'ai encore souvenir de toi. » voulant faire médecine dentaire et à me dire qu'ils étaient ravis que ça se réalise. D'accord. Et comment est-ce que ton conjoint l'a pris, lui? Très très bien. Très bien. Oui, il était très content. Oui, parce qu'il était, il avait aussi une certaine fierté. Et c'est agréable, c'est important de se sentir soutenu dans ces moments-là de transition qui sont assez costauds.
quand même à vivre. C'était ma question d'après, c'est à quel point est-ce que c'est important d'être soutenu par ses proches, par sa famille dans ces moments-là? C'est essentiel. Par exemple, pour la lecture de ma lettre de motivation, j'ai été extrêmement soutenue par ma maman et mes amis très proches qui m'ont relu, téléphoné. J'ai été aussi coachée, si je peux dire, par d'autres personnes qui ont fait la passerelle. Ok. Qui m'ont préparé aussi bien pour l'oral que relu ma lettre parce que là c'est une sélection qui se passe en deux temps. Il y a un premier temps qui est sur dossier. D'accord. Je sais pas trop combien de personnes envoient leur dossier, mais il y en a généralement pour Paris 18 qui sont retenus pour dentaire. Okay. Et à l'issue, il y en a 9 généralement qui sont pris, et nous dans notre cas, je crois qu'on a été 5. D'accord. Donc voilà, donc il y a ces deux temps, le premier temps de la préparation de la lettre et le deuxième temps préparation de l'oral, si donc on a été admis. Du coup, le matin de ton oral, dans quel état est-ce que tu es? Stressée, sereine? J'étais dans un bon état d'esprit parce que je crois que c'est quelque chose que mon précédent métier m'a bien préparé, parce que j'avais passé beaucoup d'entretiens de recrutement pour des postes. Donc finalement, cette démarche-là d'entretien, de vouloir aller chercher la performance sur 5 minutes de prise de parole, de placer des mots-clés, etc. C'était un petit peu dans mes objectifs de métier sur 4 ans. En tant que chef de produit, tu dois savoir faire ça. Tu dois savoir faire ça et tu dois savoir le construire pour tes équipes de force de vente, etc. Donc j'étais préparée. Mais là, c'était pas différent, parce que il y avait quand même le côté de... Il y avait l'émotion et l'enjeu, c'est ça. Complètement. Il y avait l'émotion et l'enjeu. Après, j'étais aussi très contente de retrouver en face de moi des personnes issues de l'université avec des carrières universitaires. Mmh. Je pense que c'est un monde qui est complètement différent de celui dans lequel j'avais pu évoluer les 4 années avant. Et je crois que j'avais tellement envie d'y arriver que j'ai vraiment tout donné. Donc j'étais en mode Kelly, t'as pas le droit à l'erreur, t'as 5 minutes, donc faut tout donner pour pas regretter derrière. Oui, et pour ouais, exactement, pas regretter. Et c'est pas quelque chose d'effrayant de réaliser un rêve? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Alors non, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur, c'est plutôt quelque chose qui m'anime, qui me porte au quotidien. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que de se dire qu'on réalise ses rêves. Et si je peux faire ça tous les jours de l'année jusqu'à la reste de ma vie, il n'y a aucun souci. On aura une longue liste de rêves alors. Pas de problème. Ok. Ok. Et comment est-ce que tu capitalises sur tes premières expériences et sur tes premières formations et sur l'associatif aussi? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense au quotidien, parce que l'associatif m'a beaucoup aidé pour ma première insertion professionnelle, pour travailler dans l'industrie pharmaceutique. Ça a été un réel plus dans les facilités de prise de parole, dans les facilités de négociation, d'interaction, de livrable, de réalisation de présentation sur PowerPoint, sur maîtrise d'un document Excel, etc. Ça paraît être des choses très terre à terre, mais finalement, c'est ce qui construit aussi les bases de ces métiers-là. D'accord. Et ensuite, aujourd'hui, je pense que d'avoir évolué dans un milieu étudiant très très riche et multidisciplinaire, oui. Ben, ça m'a permis d'aborder cette discipline sur l'aspect purement étudiant. De façon assez confortable, parce que j'avais eu l'occasion déjà de rencontrer un petit peu des étudiants issus d'autres milieux que biologie ou pharmaceutique, donc pharmacie. Donc ça, c'est un bon point. Je pense que ce que ça m'apporte aussi, c'est je pense que c'est un petit peu première expérience professionnelle. Ça me permet j'ai peut-être un petit peu plus confiance en moi dans le positionnement à l'hôpital. Ouais. Plus d'aisance à être moi-même dès le départ. Je me dis, quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on commence la clinique à l'hôpital, que ce soit devant les enseignants ou devant les patients, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais peut-être déjà commencé à apprendre, moi, grâce à mon premier métier. Tu penses que c'est plus facile d'étudier quand on est plus vieux, plus mature? Je pense pas. Okay. Peut-être pas étudier.
En revanche, interagir avec des patients sur l'annonce, par exemple, de maladies parodontales, donc de maladies des gencives ou en dermatologie buccale, etc. Je pense que oui, il faut déjà un peu un certain recul et de vécu, ouais, pour pouvoir l'affronter et le faire de façon très professionnelle et de façon calme, sereine. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, eux l'apprennent à l'hôpital, les étudiants qui ont fait la voie directe. Et puis, bon, moi, j'avais eu l'occasion un petit peu d'aborder ces sujets-là en hématologie dans mon métier précédent. Ça n'a rien à voir, mais tu pratiques la sculpture, le dessin. Ouais. Et la peinture. Ouais. C'est une de tes passions? Oui, 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 complètement. Depuis toute petite. Alors là, la sculpture, j'en ai fait l'année dernière. J'en avais fait plus jeune au collège aussi. Et de façon spontanée, comme ça, chez moi. Et la peinture, j'en ai toujours fait. Depuis toute petite. Je crois que c'était ma grand-mère, je crois que je savais même pas écrire, qui me donnait déjà des petites fleurs qu'on allait chercher dans le jardin. Elle me donnait une feuille, elle me disait peint avec des fleurs. Et puis, je crois qu'après, ça a été un pinceau et un crayon, et ça s'est jamais arrêté vraiment. D'accord. Si, peut-être pendant la période associative. Okay. Donc là, j'avais peut-être un peu moins de temps pour dessiner, et aussi pendant ma période en industrie pharma. Mais là, oui, la reprise d'études a été aussi l'occasion pour moi de me remettre au dessin, de prendre aussi des cours. D'accord. Et c'est un très très bon passe-temps. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi dans ton équipe de vie, qui permet aussi d'évacuer. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça fait partie de mon quotidien aussi, ouais. Okay. Du côté de ma vie perso, ouais. Du coup, le fait de pas avoir le temps de pratiquer, c'est aussi un signal que tu fais trop de choses. J'extrapole beaucoup. Oui, je pense que ça pourrait. Après, par exemple, ça a été je le verrais plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça a été un moyen pour moi de peut-être moins travailler. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir de très très gros horaires en tant que chef de produit, je me suis dit, Kelly, donne-toi les moyens de partir plus tôt du travail, inscris-toi au sport, inscris-toi à la peinture, et t'auras tellement envie d'aller au sport à la peinture que tu seras obligé de partir à 18h30 du boulot. Okay. Donc, ouais, plutôt dans ce sens-là. Et est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Alors, non, de façon globale. Et parfois, la question peut un petit peu se soulever. C'est vrai que... Parce que c'est assez fréquent quand on traverse des périodes un petit peu difficiles ou des périodes de stress. On a tendance à se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. C'est vrai que des fois, je me dis... Je pense de façon un peu simple, Kelly, t'aurais pu continuer dans l'industrie pharma, t'étais tellement bien lancée, t'étais sur un tel poste. Et puis en plus derrière, j'avais des opportunités dans une autre entreprise aussi qui était incroyable. Mais ça dure 2 secondes. Ces mots-là, ces idées-là en tête, elles durent 2 secondes parce que, comme tu disais tout à l'heure, dans la notion de rêve, enfin, je réalise un rêve et pour le moment, c'est un rêve éveillé. Je suis ultra contente de me diriger vers ce métier-là et d'avoir repris ces études. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la chose dont tu es plus fière? Alors, ma binôme rigolerait là. D'ailleurs, j'entends son rire au loin. D'accord. Ça va paraître très très bête, mais on a un retour de la part des patients qui est exceptionnel. Et c'est assez incroyable. Je pensais pas du tout que ça serait aussi énorme. Les attentions, les retours qu'on peut avoir de leur part. Mm-hmm. En fait, déjà, c'est très enrichissant parce que c'est gratifiant. J'ai jamais trop été dans une recherche de reconnaissance quelconque. Et pour autant, en fait, j'ai beau me dire ça, quand, par exemple, ils vont me faire des petits cadeaux après des soins, et ça fait tellement du bien qu'en fait, faut juste le vivre pleinement et les remercier. Et, vous voyez, j'ai du miel à la maison, j'ai des petits gâteaux, et c'est un bonheur tous les matins de tartiner son morceau de pain avec du miel d'une des patientes. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Oui, complètement. Et l'autre chose qui me rend fière, c'est que dans le métier de demain que je vais faire, j'y apporte une dimension manuelle. Mmh.
Et l'idée de plus être derrière mon ordinateur, mais de faire du manuel pour réparer des choses, et au final, ce sont même pas des choses, ce sont des personnes, c'est gratifiant. D'accord. Du coup, on aborde maintenant le mot de la fin. Ouais. Est-ce que tu auras un conseil pour ceux qui se posent des questions, ceux qui n'ont pas encore trouvé leur équilibre de vie, le métier dans lequel ils trouvent du sens? Ouais, alors du coup, ça fait beaucoup de conseils différents à donner. Mais je pense déjà le... dans le conseil pour la reconversion, si c'est déjà assez arrêté de vouloir reprendre des études médicales, je pense que un conseil, c'est, il y a un site internet qui est très bien, qui s'appelle repère.org, qui est comme un forum, et qui aborde le topic de la passerelle, et qui, moi, m'a beaucoup apporté de renseignements, qui m'a permis de rencontrer aussi des personnes qui ont pu un petit peu m'accompagner, me coacher sur la passerelle. Donc ça s'appelle remède.org. Donc là-dessus, on peut trouver plein de conseils, des questions, et échanger avec tous les étudiants qui l'ont fait et qui l'ont réussi. D'accord. Donc ça, c'est pour la première chose, pour ceux qui veulent la faire. Ensuite, tu disais, pour les moments difficiles. Pour les moments difficiles, puis ceux qui n'ont pas forcément trouvé le bon équilibre de vie. Le bon équilibre de vie dans leur métier, un peu en post-universitaire comme ça. C'est ça. Ok. Ouais. Alors, j'ai un petit peu l'impression déjà que pour beaucoup, après 3 ans de boulot, après la fac, y a une remise en question. Enfin, globalement, au sein de mes amis, c'est quelque chose que je ressens énormément. Mmh. Ça va être un peu marketing, mais... c'est quelque chose que j'ai appris en marketing, mais c'est de dresser les pour et les contre, de presque faire un peu une étude de marché de soi-même et de l'environnement dans lequel on évolue, et donc de dresser les avantages, les inconvénients, les forces et les faiblesses. Ok. Voilà, enfin un SWOT sur soi et sur ce dans quoi on évolue. Et je pense que c'est très structurant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur une feuille, le mettre de côté une semaine, un mois, le ressortir, voir comment ça a évolué dans le mois qui est suivi, corriger en fonction, revenir dessus, et je pense que ça peut être assez orientant et structurant. Je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi, c'est quand on est assez engagé, quand on est des individus assez engagés dans ce qu'on fait, c'est de... je sais pas si c'est de s'imposer des horaires, mais en tout cas de se fixer des limites et d'essayer de jamais les franchir, parce qu'on les franchit très facilement et c'est très dur de revenir en arrière. D'accord. Donc moi, je pense que là où j'ai péché, c'est de trop trop m'investir et de trop travailler en quantité, aussi bien en temps que en délivrable. Là, j'en ai fait beaucoup beaucoup beaucoup. Je suis beaucoup investi et ça peut être bien aussi de se dire qu'il y a la vie perso et pas la dénigrer et d'être entouré hein, aussi clairement, parce que c'est aussi les autres qui dans ces moments-là nous envoient des signaux et nous disent clairement qu'on va trop loin. Donc c'est d'être entouré, de pas s'isoler dans les moments difficiles où on sait plus trop. C'est de pas s'isoler. D'accord. Est-ce que tu veux poser une question? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé? Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Si tu parlais de la peur, moi je te disais que j'avais pas peur. Je pense qu'il y en a d'autres à qui ça fait peur, et à ceux à qui ça fait peur, et ben je leur dirais, si clairement vous avez envie de faire ça et que vous avez fait vos plus et vos moins et qu'il y a beaucoup plus dans l'idée de reconversion, n'ayez plus peur et allez-y. Parce que je pense aussi qu'on peut... C'est jamais trop tard, on peut toujours faire marche arrière et encore s'orienter vers autre chose. Donc, Parce que la plupart du temps, ce qui va faire peur aux gens, c'est qu'on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas vers ce qu'on va. Ouais, tout à fait, l'inconnu. C'est ça, c'est l'inconnu souvent qui fait peur. Et donc, c'est comme pour tout. Ça restera un inconnu si on n'y va pas, donc autant aller le connaître. Ok. Très bien. Bah, c'est bon pour moi. Ouais, ok, bah top. Merci. Merci à toi.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir sur Utip. C'était Patrice pour les autres. Merci et passez une bonne journée.